il va faire l'innocent, regarde. Moi, bah non, non, non. Oh, jamais, 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 jamais. Bah non, jamais. Jamais. Penses-tu jamais. Voyons. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle balade, là, donc la numéro 24 cette semaine. On est déjà à 24. On est déjà à la 24, enfin, en effet. Donc on démarre cette semaine avec une balade qui nous avait été imposée par Laurent. Donc une imposée, décidée, choisie, tout ce que tu veux. Bon, bah d'accord, ok, d'accord. Donc tu as imposé pour la balade, on va dire ça comme ça, ou tu as proposé donc une balade en manne 320. Ouais. Avec un chargement de 25 tonnes hors hors tractopelle et pelleteuse. Hors tractopelle et pelleteuse parce qu'on en voit tout le temps. Voilà. C'est vrai. Pelleteuse et des tractopelles en 25 tonnes, la preuve. Moi j'aurais dû prendre un tracteur pour te faire chier, mais bon, je me suis dit. Je vais faire moi. Je vais prendre une pelleteuse. Comme je fais d'habitude. Je jouais pas au con les frangins. Attention, ça va sentir le Laurent en colère. Tractopelle, pelleteuse, on en voit tout le temps sans arrêt. Ouais, bah oui, chargement typique en 25 tonnes. On en a fait beaucoup. Et la preuve que non, puisque la Vicky, Nono, ils ont du ciment. Dominique a du bois de charpente. J'ai du gasoil. Il y en a c'est beaucoup. Du riz cantonné. Tonio, il a la bouffe. Nous, on a de quoi construire les maisons. Voilà, Anto et Ludo, ils ont du sable, du gravier. Donc voilà, il n'y a pas que tractopelle et la pelleteuse qui font 25 tonnes. Il manque de la boisson aussi, c'est 25. Ouais, on n'a pas le stock de boisson. Ouais, après, il y a encore les meubles qui sont en 25 tonnes. Il y a beaucoup de fret sont en 25 tonnes. Oui. C'est vrai qu'après, elles ne sont peut-être pas forcément connues, mais il y a énormément de fret en 25 tonnes. Ouais. Moins répandu, on va dire. Moins répandu, ouais. Ah si, les planchers, tout ça, et les vitres, c'est pas... Ouais, les planchers modulaires... Si, il y avait les panneaux de verre, les semis à verre, là. Ouais. Il y avait ça aussi, ouais. Il y avait plancher modulaire, je crois que c'est du 21 tonnes ou un truc comme ça. Je sais pas si on a 25. Bon, bref, voilà. On a chopé autre chose que du tractopelle de merde et de la pelleteuse de merde. Voilà. Des modulaires, voilà. Plancher. Vous voyez, plancher modulaire, c'est 25, Mike ? 25 tonnes. J'ai pris 25, donc c'est obligé. D'accord. C'est les murs préfabriqués qui sont 21 tonnes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les murs. Si mes souvenirs sont bons. Non, c'est l'inverse. Non ? Oui, bon, bref. Je sais plus. Enfin bref, on s'en bat les couilles. OSB 29. Ah, voilà, exactement. C'est moi. C'est le patron, c'est moi, OSB 29. Et DTC, hein. 52 DTC, c'est le DRH. Voilà. Et RAP 29 aussi. 22, là les flics, excuse-moi. Voilà. Donc, Antoine, il est chaud là, il fait chauffer les poneys là. Petit trajet simple. Hein. Torino, départ de Acre, on est chez Acres là, à Berne. On a droit direct. On a de la route toute droite. Direct, on n'a qu'une seule route de toute façon jusqu'à Acres à Torino, 280 km à peu près. Et avec un petit peu de gestion. Voilà, donc, ça va, je vais de la boîte de vitesse. Donc, et n'hésitez pas à freiner quand même parce que ceux qui veulent passer tout debout, c'est même pas la peine d'essayer. On va voir. Ah, oui, t'as fait le trajet toi en plus, toi, oui, deux fois. On va voir qui arrive à gérer son camion lors de moments critiques. J'ai fait le trajet. Non, mais moi j'avais fait l'inverse. J'avais fait Milano-Berne, Torino-Berne, et le camion je l'ai couché deux fois. Il y en a un qui va finir sûr dans le sapin. Je suis quasiment certain qu'il y en a un qui va se coucher. Moi je vais. Il y a une calandre. Moi je vais forcer. Moi je vais aller forcer quelqu'un à aller dans le sapin. Ouais. N'est-ce pas, Antoine? Non, mais t'inquiète. On va voir qui c'est qui n'a plus de cheveux. La calandre. À savoir pour la petite anecdote, tantôt. C'est de la faute à Tonio aussi. La calandre. Tonio qui va bouffer aussi, je crois. J'attends. Enfin, on verra bien. Comment on sait ça qu'on va a des, on sait qu'on a une paire de lunettes, hein, mais bon. J'ai hâte de voir Ludo dans mes rétros. Oh bah ça tu verras. Mais bon, c'est belle descente. Méfie-toi. Méfie-toi, ma remarque de sable pourrait te passer devant.
On verra. Tu vas manger du gravier dans la gueule. Si tu m'enfreins, tu vois. Bon, qui c'est qui est chaud pour lancer l'affaire là? Fais gaffe que je Faut pas que je parte devant, je vais rester derrière moi. Il y a de l'action sur moi derrière. Ah, moi aussi je devrais rester. Non, mais bon. Ah, faut un qui porte en tête. Attends, je pars devant. Je fais la tête du convoi, j'aimerais bien passer mon tour. C'est parti. Alors, le premier qui partira, comme l'a dit Laurent il y a quelques minutes, c'est à la sortie d'Acres, c'est directement à droite et toujours tout droit jusqu'à la destination. Voilà. Et on s'arrête à la 10e pompe à essence, s'il y en a qui ont besoin d'essence. Voilà, ok, on s'arrêtera à la station essence parce qu'il y en a qui ont besoin de carburant. Pour le carburant, vous pouvez vous adresser directement à Laurent, il a ce qu'il faut dans sa citerne. Ouais, voilà, on se sert, on le pique. Ça me fera plus léger ça me fera plus léger à l'arrivée. Bon, j'y vais par 1000 litres, hein. C'est bien. Moi, hein. Après, c'est en tout, c'est bien, on est bien placé là. Là, on est bien placé. Ouais. Donc, nouvelle balade qui démarre, qui a manqué de ne pas se faire à cause de la mise à jour. Ouais. Ah, parce que voilà, ils nous ont ressorti juste une mise à jour juste avant qu'on lance la balade. Donc, par rapport au bug, certains ont dû le voir. Notamment, j'ai eu le souci avec Anto tout à l'heure. Des camions qui apparaissent et qui disparaissent. Alors, très dangereux parce que moi j'ai. Vas-y, Toff. J'ai voulu faire un fret. C'est Mike, pardon. J'ai voulu faire un fret avec Anto à dernier avant qu'on ferme la clôturation des feuilles de route. Et écoutez, je me suis fait rentrer dedans et je me suis pris 100% sur la remorque. Donc j'étais obligé d'annuler ma mission. Donc voilà, ça a été la merde. Et puis voilà. On roule à combien? D'ici que tout le monde racole quoi. Donc On est à combien le régulateur? Pour l'instant. Plante à 60 pour le moment. Okay. 5, ouais, à peu près. 50, 60. 60. Ouais, tu régules à 60 le temps qu'on recolle. Ouais, mais là, il y a la station service. Non, mais la prochaine. Bah, c'est la prochaine, hein. Non, mais il y en a deux. Il y en a une avant et une avant d'arriver, dans le milieu. Tu vois, Ludo, j'ai eu le même problème que toi tout à l'heure pour la livraison, avec la musique, là. Ouais. Et ils me disent qu'il me reste 11 heures. Ouais, ah ouais, tu vois. C'est un bug, ça. Putain, je suis en retard, je regarde 11h. Non, je suis pas en retard, c'est bon, je peux la faire ma mission. Ben, j'ai déjà eu moi, j'ai eu toute la musique pendant tout le trajet en fait. Si Ludo me renverse pas mon sable. Ouais. Moi j'ai 3400h. Ça se suit pas derrière. Oh, moi aussi maintenant, tantôt j'étais en retard maintenant. Non, je viens de partir là, je. 445h. Y'a personne. C'est normal, la mise à jour elle a été faite donc ça a remis toutes les compteurs à zéro. Donc voilà. Donc ça freine devant moi. Ouais. Fait aussi pour dire parce que je vais renvoyer l'appareil à quelqu'un. C'est qui est derrière moi en fait? Je vais renvoyer l'appareil à Daznex, qui a sa chaîne YouTube et qui a entamé une série sur l'entreprise parce qu'il fait un fret je crois, donc c'est ça par semaine qui va enregistrer, qui mettra sur sa chaîne YouTube. Voilà. Donc il a parlé de l'entreprise, il a parlé un peu de nous, tout ça. Donc je vais aussi en profiter pour ceux qui veulent voir sa mission une fois par semaine. Donc je vous mettrai les liens de sa chaîne YouTube directement sous ma vidéo et avec sa page Facebook également. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour regarder ses vidéos aussi également. C'est un chauffeur de chez nous mais c'est aussi un collaborateur, donc voilà, en quelque sorte. Voilà. Donc il nous fait de la promo, on va dire, pour la Trans Internationale. Donc on lui rend un petit peu le retour sur sa chaîne. Bah sa il a mis le rassemblement YouTube. Hier, je crois aussi. Oui, il a posté le rassemblement. Oui, j'ai vu. Ouais. D'accord. Tony, il veut pas y aller le man. Non mais il est mort. On a arrêté là. Accélère. Ah oui. Il veut pas y aller. Arrive en France inverse. Putain, j'ai calé. Pareil. Moi j'ai du mal à grimper la côte aussi. Moi il veut pas là. Ouais. Pourquoi tu recules? Mais c'est pas de ma faute, c'est long. Bah, enfin, ça bloque de partout là. Ça bloque là devant. Il y a la tribu qui a arrêté là. Je suis en mode gros bouillon. Pas accéléré le machin. Non, il est coincé. Ouais, allez-y, passez. Tonio, t'es juste devant moi. Un conseil, si t'as pas envie de te faire enculer à sec avec du gravier, je peux pas. Mike, attends avant de le doubler, il y en a un qui va arriver en face là. Ouais, il y a quelqu'un qui va arriver en face. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Antonio, Ludo, passez devant moi parce que ça va reculer sinon. J'arrive pas à monter. Ah, je peux pas reculer, il est juste derrière mon cul, Ludo. Bah, je peux reculer. Merde, tu peux pas. Oh putain. Bah, je vais reculer. Echo. On arrive en descente. Allez, à mon avis, t'es bon pour traîner un petit peu. Hein.
Ah putain, je peux pas monter. Ah main, mon pote. Mais... Attends, parce que là, y'a personne qui est dans la côte. Loupez pas de vitesse, les gars. C'est bon. Bah, même en automatique, enfin, en séquentiel, j'ai dû me remettre en première. Hein. Bah alors, Mike. Ouais, ça avance doucement. Moi, je peux pas monter, moi. Oh putain, je peux pas le doubler, merde. Attends, frein à main, toi. Attention, je me. Bah, non. Frein à main, moi, j'y pars là, sinon. T'es trop loin, je crois. Démarrage en côte, mon pote. Non, je suis à... Allez, non, c'est pas... 300 mètres de... Tu nous vois derrière? C'est parti. Ça, c'est du tunnel, mais... Faut pas ah ouais, mais moi, tu vois, je suis emmerdé, j'ai pas de G27, hein. Moi non plus, je suis pas emmerdé. J'y arrive pas. Hein. Bon, enfin, ça avait du mal, on va dire. 100 mètres de top. Il... monter, ça doit pris de la tête. Un petit peu plus, je me suis dans la côte. Ah, moi aussi, là. Et sachant que c'est pas le pire, les gars. Ouais, c'est clair. C'est pas le pire camion qu'on a de disponible. Hein. Oh non. Ah bon? Ah non. C'est déjà pas mal. Et Ludo, j'aime pas être devant moi, là. Y'a un Iveco qui fait encore pire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Tony? Du brouillard. T'as peur, hein? Ça sent les coups de remorque. Moi jamais. Non, je sais pas, il avait du mal à monter là. Bon, trop de sable. Ouais, décharger un petit peu, je prends de la petite pelle, allez hop. Et le temps. Ah non, c'est, hey, c'est les bennes qui se lèvent normalement celle-là. Ouais. Bah attends, je vais appuyer sur le bouton sur la gueule là du tout. On va pouvoir faire un tremplin, tu sais. Oh les beaux virages après. Là ça a envoyé du poney là. Des virages. Youhou. Fais pas trop le con en toi, tu vas te coucher. Ouais, c'est clair, bon, tu peux accélérer Fanny. Avec une benne. Surtout avec les bennes. C'est là, y'a rien de pire pour se coucher. Ah ouais. Déjà pour les reculer, c'est là le bordel. Alors, pour c'est les poison zone zen. Le problème ben. C'est que j'essaye d'accélérer mais c'est ça n'avance pas. Il y en a qui en chient. On est à l'arrêt hein. Ouais, on est quasi à l'arrêt là. Nous on n'est pas à l'arrêt hein. Nous on tarte là hein. Nous on ouais, on envoie hein. Nous on envoie du steak là hein. Mais c'est pareil ouais. Ah ouais, mais moi j'ai pas les plus vite devant moi au bloc. Nous passons dans le tunnel, je ne vois pas la lumière au bout. Ouais, j'ai passé le tunnel. Vaut mieux aller plus vite pourtant c'est. Ouais, il y a moitié de la brume et tout. Avance un peu plus loin, tu la verras prochain. Moi je vois déjà les lumières sur le mur. Oula, il a pas la vitesse. Là, ça monte. Oula. Attends, appelle lui doit être le scagnol ou tout pareil, comment il fait le machin. Ah ouais. J'ai un wow, youhou. Attention, les frangins, t'as ralenti. Hein. 20 km. Là, ça ralentit sec quand même. Oh putain, ouais. 10 km/h. Ça s'arrête ici. 10 km/h. Oh, nous, ça envoie bien, nous. On est à merci Laurent, ouais, ça envoie pas trop bien. Ouais, mais j'envoie du poney, non. Moi j'envoie du poney. Bah, Ludo, il envoie pas trop de poney, ce qui est une remarque qui est facile, ça. Ça glisse tout seul, ça, la belle que t'as. Oh putain, regarde la série, Antonio. Ça monte pas, à Choldé, hein. Non. On la monte à 10 km. Je suis à 35. Attends, tu vas bientôt descendre. Je suis à 9. Putain, j'ai rattrapé Anto, ouais. Moi aussi, je suis derrière toi, je suis à ouais, ton cul. Sais. Je suis à 40. T'es à mon cul, t'aimes ça hein. Je vais t'emboîter tout à l'heure. Faites gaffe les gars, je suis en première, je suis à 10. Oh putain. Oh, Anto, je sens ça mal. Ah, c'est devant là, que ça avance pas, oh, là devant. Oh putain, oh putain. Et Anto, le seul truc, faut pas que tu freines. Bah non, je freine pas, faut pas que ça freine devant surtout. Ça s'arrête, c'est pas le pire. Ça freine pas, ça s'arrête. En plus, tu peux pas aller rouler sur la droite parce putain qu'il est vite. Putain, le camion commence à s'arrêter d'un coup net, quoi. Il faut pas qu'il y ait du monde qui arrive en face. Ouais. Ludo, je suis à côté de toi. Ouais, je sais, non, je te vois. Ah, attends, je vais ralentir si on sait jamais. Ralentis pas. Tu vas sinon, t'arriveras jamais à repartir. Ah, si, là, je repars. Ah, tu me dis quand sur la pour regarder sur la table s'il y a du monde. Vas-y, c'est bon, là. Ah, il y en a un qui arrive en tu face. Peux te rabattre. Ok, c'est bon. On gère la fougère. Oh, c'est joli. On va en croiser un là. Et il y a un mec derrière moi qui veut essayer de doubler et il m'a fait appel de phare. Ouais, donc, bah il va. Ah, il est derrière toi, je pensais qu'on allait le croiser. Je vais mettre l'effet de détresse comme ça il va savoir qu'il y a un convoi devant.
Et puis on a pas Antonin avec ses super phrases prédéfinies là. Ouais. Oula, 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 oula. Par contre, s'il essaye de doubler, il va finir au sapin. Tension, tension, il y en a un qui arrive en face, deux même, et ils roulent comme des barjots. Il y en a un en face, c'est un bleu. Là, il y a un blanc. Oh, je trompe, tiens. Un schtroumpf. Ah, oui, effectivement. On en chie, on en chie, on en chie, 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 on en chie, on en chie. Ça me rappelle l'époque du premium, ça. C'est des Roumains. C'est là, bouge. Verrouillez vos réservoirs, verrouillez vos réservoirs. 10 oh, km. Piquez le gasoil, ils vont piquer le gasoil. Eh, dis donc, Anto, ça te dérange pas de rouler en plein phare derrière moi, là? Non. Je vais te donner la réponse. Quel enfoiré. Il est jamais content celui-là quand il s'y met. Oh, je vais me rabattre. Dégage ou je te fous au sapin. Dégage ou je te fous au sapin. Non mais oh. À mon avis cette mission-ci on sera bon pour l'annuler parce qu'adieu la consommation hein. Oh putain ouais. Comment ça, c'est drôle. Je l'annule pas, après je m'en vais ailleurs avec. Ah, moi aussi. C'est ça le but. Je m'en vais, je sais plus où, à... Ah ouais, ça monte à 200 litres au 100. Ah ouais. À mon avis, les feuilles de route vont être belles. 270 litres au 100. 132 au 100. Je sais pas, mais... Et à gauche. Allez. Oh, moi, je descends, attention. Oh, putain, oh, qu'est-ce que tu fais? Attention parce qu'on a t'as l'arrêt hein. Ouais j'ai vu ça, j'ai vu ça. T'as l'arrêt. En plein dans le virage, j'ai côte hein. Oh putain. Ah mais comme tu le dis. Oh là là là. C'était pas le meilleur endroit. Mais. Ah non, c'était pas le meilleur endroit pour être à l'arrêt. Moi je suis lancé les gars. Putain, faut que je lui ai tout ça à monter. Oh non. Oh les voit tous, je les vois en plus. Je les vois tous dans la montée là en plus. Oh putain Laurent. Oh la vache. Ah c'est pas possible. Allez, bah je allez. Il veut pas voter. Allez, je veux bouffer du belge. Vas-y, vous bouffez du belge. Ouais, vous mangez tout cru les belges. Ouais, tiens, c'est ça, bouge pas, regarde qui c'est qui est à ta gauche. Regarde papa. C'est qui double? C'est moi. On peut pas doubler. Le gars double. Derrière toi Antonio, le mec il double. En plus, il y en a un qui arrive en face, donc ça va être tout juste. Oi. Alors Dominique, hein, qui c'est le papa? Hein, qui c'est le papa? Attends. Oula. Attention au virage. Descente. Non, en pleine descente. Je me suis déjà bouffé un belge. Suivant. Non, deux belges. Il y a Mike aussi. Rabat-toi sur moi, je te dirai rien. Suivante, elle est devant toi. Ça freine devant. Bon courage pour la suite quand elle s'arrête. Oh bah, moi vu qui c'est, mon mère, je le fous à part. Putain, j'ai calé Tommy. T'es où toi, Anto? Ah, oh, je suis passé il vient... bon. Ils viennent de passer. Non, mais ils devraient freiner, ouais. Oh putain, ils ont pris l'élan. Il t'a fait chaud derrière, Ludo là? Comme il s'est freiné, il a juste freiné devant moi, donc du coup, j'ai calé moi. Oh, ça sent l'extrême. Et donc, du coup, t'es où? Ah, ouais, je suis à l'entrée du tunnel en fait. Ah, ouais, il double. Moi, je viens de sortir. Fanny, on gaffe les gars, il y a un mec qui arrive. Attention les gars. Il y a un mec qui arrive, mais lui par contre, à la prochaine station. Il envoie du poney. Ah bah là, vu l'épingle que je me prends, mon gars, je suis complètement à gauche, il va pas envoyer grand chose. Ouais, Noé, fais gaffe à toi. Le mec il arrive comme une balle derrière toi. Pardon. J'ai de freiner là. Oh la vache, elle est patron, oh. Ça arrive vite. La prochaine station, il va bouffer du ciment. Hein. Après, c'est son choix. Je me suis excusé. Pas de problème. Hein. Je vous dis que ça, moi j'ai la drache en plus. Ouais, bah je mets aussi drache. Ah, Ludo, il est repassé là. Pas sûrement. Hein. Ouais, j'étais obligé de freiner. Mais. C'est qui le patron? Il s'est mis à piler devant moi. Il a voulu me faire comme ça en fait. On arrive à la station. À la station. Oh putain! Ok. Ah, la remorque elle a levé d'un coup là, je l'ai senti là. C'est ça ton petit cri de tapette là que tu nous as.
Le mec il vient de se vider les couilles. Ça y est, la soirée est finie, merci, bonsoir. Oh putain. Pied au plancher. On va arriver à la station service. On va si tu continues à dire des conneries, je vais me refouter en plein phare, tu vas voir. On va se rattraper là-bas. Je viens de manger du belge là. Ah ouais, j'ai vu toi aussi. Attends, on aime la grosse frite, nous, une fois. Ouais, on voit nous, c'est les faire. On les met pas dans l'huile. Ouais, bah ouais, je sais. Je sais les faire, les frites belges. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais il est con, quoi, lui. Putain, j'étais à deux doigts de mourir. Bah ouais, vas-y. Putain, j'ai fait du deux roues. Sapin, sapin ou quoi? Ah ouais, bah lui, faut l'envoyer au sapin, attends. Bouge pas, Toff. Je vais essayer de me tirer toi et le mur. Putain, mais vas-y. Putain. Oh, c'est mon doux. Je j'ai bouge fait pas. Des deux roues là, j'étais à deux doigts de mourir. On t'entend plus que la semaine dernière, Christophe, c'est bien. Ouais, j'ai réglé. Ouf. Putain, enculé là, Chris mange. Faut le mettre au sapin. C'est moi, je le suivais là. Laisse-le. Je vais vous parler un petit peu des chiffres de la semaine, quand même. Quand j'aurai. Quand mon netbook sera connecté. Petite photo. Oui, prenez des photos, postez des photos. On va prendre des photos. Des photos. On aurait dit un nom de produit pour sol. Ouais. Putain, Tony, où il est garé comme une merde sur la route? Ah, je voulais suivre l'autre, moi. Le foutu sapin, il était juste derrière son cul en plus. Ouais, mais il va faire un petit coup de pute là, l'enculé. Ah bah, je suis garé à l'arrache, moi. Bon, ça, c'est vraiment la remorque sur la route. Il y a personne, quoi. Il y a personne. Bon, ouais, il y a personne. Ah, pétain de sa mère. Tu vas te connecter, toi, Baltringue. Hop là. Mais les warnings, per genre. Je suis en panne. Champagne. Je suis tombé en panne sèche juste devant la station. On me dira quand faut repartir. Attends. Faut que j'achiffe mes fiches, les chiffres sur mon PC. J'ai le netbook qui est en carafe là. Tout à l'heure j'avais 11h pour ma mission, maintenant j'ai 13h. Lol. Ça va? Moi c'est mon trajet donc c'est bon. Deux secondes, Fanny, s'il te plaît. Je vais. Mais... Hop. Et pour une fois, je suis bien garé quand même. Pour une... J'ai mis assez de pour une fois. Ouais, c'est clair. C'est juste pour une fois. Alors, classement, hop, tac. Voilà, c'est bon, on peut y aller si tout le monde est là, on peut repartir. Alors, attends. Ouais, bon. Ouais, tout le monde est là. Dernière capture, je remets ma vue et j'y vais. Vas-y, Vicky, après. Hein. Envoyez du poney. Hein. Ouais. Là, c'est que la première partie. Et que la deuxième partie, je crois qu'elle est plus dure, je crois. Ouais, c'est la deuxième partie que tout va jouer là. Non, oh non, c'est vrai, on a fait le plus dur. Non, mais je parle pas des virages. Ah, hein, ah c'est bon ça. Ça j'aime. Ouais, mais là c'est pas cool. Fallait me dire ça avant que je redémarre. J'aime. J'ai déjà commencé par percer la citerne de Laurent. Ouais. Oh bah écoute, je dois le plat la route derrière. Vous êtes pas prêts de monter, les gars. Ça, je dis rien. On va pas niquer la gueule à tes compatriotes, Anthony. C'est pas grave, Anthony, il a du sable, moi je mets ça du gravier sur la route. Ouais, voilà, ça ira mieux. Voilà, ils vont refaire le macadam. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bah on va monter tout doucement. Ouais, je vois ça. Ouais. Ça se voit que c'est les femmes qui sont devant. Hein. C'est ce qu'elle dit, la femme. Elle appuie à fond sur sa palette. Oui, je t'ai vu derrière moi. Tu veux doubler, bah tu vas attendre. Sinon, tu vas bouffer un remords remorque. Tu vois le sapin. Bon, allez, je vais vous parler des chiffres de la semaine. Alors, semaine 8 de travail à la Transinternationale. Donc, on a été du 16 au 22 février. Sur un total de 16 chauffeurs cette semaine. Ouais, ça commence à monter, tout doux. Ça monte dur.
Ouais, on a effectué 173 trajets. On a parcouru 136 699 km, malgré tout. Et on a eu un gain de 6 420 582 euros. Eh ben. Voilà. Donc c'est pas mal. Pas trop de kilomètres en fonction des chauffeurs et des trajets. Pour la simple et bonne raison qu'on a fait pas mal de petits trajets. Ouais, demi, t'as arrêté ? Genre ouais, 150, 200, 300. Jusqu'à 500-600 km, pas plus. Moi, à la fin, je faisais que du petit trajet, là. Ouais, comme moi, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de trajets, mais pas beaucoup de kilomètres. Voilà. On a du petit kilométrage à la fin. Voilà, donc 6 420 000, hein, c'est bien. Hein. On a gagné pire que ça. Hein. Oui. Puis voilà, quoi. Donc, c'est un effectif de 16 chauffeurs. On est 16, là, pour le moment. On continue les recrutements féminins. Donc, si vous connaissez quelqu'un, une demoiselle ou une dame qui joue toute seule dans son coin à ETS2 et qui veut venir rejoindre notre entreprise et s'éclater avec nous tous les dimanches, qu'elle ne joue plus seule, qu'elle vienne nous rejoindre, voilà, ouais. Ça sera parce un que c'est vrai qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes ou de jeunes demoiselles qui joue à Euro Truck dans l'ombre. Il y en a beaucoup. Et qu'elle joue dans l'ombre, elle joue toute seule. Pourquoi ? Parce que la plupart, j'en ai vu énormément. C'est les dragues. Soit il y a de la drague, alors soit c'est du macho en disant vas-y, ouais, voilà. Casse-toi, tu sais pas rouler, t'es dangereux. Attention, il y a un savon qui passe. Donc ça va braquer cette personne-là et cette personne-là, bah vas-y, parce que voilà. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. La preuve, on a deux femmes. Qui connaît la drague, hein. J'étais à deux doigts de me bouffer ton mec. On a deux femmes dans l'entreprise. C'est Laurent, il y a eu un coup de lac, je suis rentré dedans. Hop là, je suis rentré dedans. Eh, on n'a pas su Laurent, hein. Essaye de remonter. Bah ouais, non, mais tu vois. Je suis à l'arrêt parce que j'ai rentré dans les gueules de Laurent. De Gino. C'est bon. Je te dupe 2000. Laissez parler Laurent. On a deux femmes dans l'entreprise qui ont complètement leur place chez nous. Donc bon, Fanny, elle est encore en formation parce qu'elle arrive pas à reculer. Non, on a Vicky justement qui vient de terminer ses deux semaines de stage. Là, elle fait partie intégrante de l'entreprise. C'est pour l'instant une très bonne rouleuse. C'est elle qui a le record, je crois, justement. Je sais plus si c'est Vicky ou Gaëtan qui a le record de nombreux trajets et de kilomètres. C'est Vicky. C'est Gaëtan, je crois. Vicky, c'est les kilomètres. 36. Vicky, c'est les deux. Vicky, elle a fait 38 voyages la semaine dernière. Ah bah non, bah c'est Vicky alors. Donc je crois que c'est même Vicky qui a le record en termes de kilomètres et de trajets. Donc preuve que voilà, les dames ont complètement leur place aussi dans notre entreprise. On essaye d'équilibrer la parité. On nous fait toujours chier dans la vie de tous les jours. Ouais, la parité homme-femme, discrimination envers les femmes, bah chez nous, il n'y en a pas. Vous, demoiselles, dames, vous souhaitez rouler dans une entreprise sérieuse. Notre porte est grande ouverte. On a une moyenne d'âge je crois qu'on tourne dans les 25 ans. Justement, à propos de ça, dans la conversation commune, je vais demander tous vos âges, vos dates de naissance. Tu l'as déjà fait, ça? Oui, j'ai déjà. Oui, mais... Non, moi, je vais pas la donner. Vous fermez vos gueules, vous me laissez finir. je les ai pas notés. Ah, et là, bah je vais voilà, noter bah le listing. Voilà. Propre. Hey, je vous emmerde, ok. Là, j'espère que c'est clair. Donc... Ah putain, je vais les brayer. Je voudrais... Je continue tout droit. Oui. J'ai un léger problème. Oui, c'est toujours tout droit, Fanny. Noé, il était dans l'herbe. J'ai enlisé le man. Ouais. Il était Fanny, dans l'herbe. Chez Acres, ça sera à l'entrée. Ça sera à l'entrée de Torino à droite. Et Noé recharge. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Je crois qu'on y a. Je t'ai vu en fait, je me suis dit il a eu un problème là, je crois. Ouais, je suis arrivé un peu vite. Oula, il y a du monde là. Ouais. Tension. Ah, on va bientôt arriver. Oula! Anto, il a mangé ma remarque. Désolé, il y a un convoi. C'est bon, c'est en partie. Il y a un convoi? Non. Ouais. Le camion, ils iront rouge un peu, mais bon. Non, t'arrives à sortir? Non, mais j'ai fait. Non, il a rechargé une partie.
Donc, il est obligé, gros, sinon il ressortait voilà. Pas. Les candidatures ne sont pas fermées à vous, messieurs. Elles sont suspendues pour le moment. C'est tout. On nous a traité de poster, là, et on... puis, On nous a... quand le gérant de la page Euro Truck 2 Simulateur français a fait de la petite pub pour nous, qui grâce à ça, on a passé les 400 gemmes, et qui a précisé qu'on chez des que des femmes, on nous a insulté entre guillemets de macho et de sexiste. Ouais. Voilà. Ouais, ayant vu la publication, donc, à vous qui... Voilà. Donc à vous qui avez posté, ça, excusez-nous, mais on vous pisse à l'arrêt, ok. On fait ce qu'on veut. On vous merde. Voilà. On est et on vous fout au sapin si on voit sur la route. On est 14 gars pour 2 nanas, donc on veut un petit peu plus de nanas pour le moment. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, franchement, je m'entorcherai pareil. Voilà. Puis de toute façon, non, non, mais ça, critiquer, c'est facile. Oh, encore eux, équipe. Je veux dire... Voilà, les femmes ont autant le droit de jouer. Et ça, putain, bon, ça me gonfle. Celui-là, il s'arrête tout le temps. Je reviens encore sur les commentaires qui ont été laissés sous cette publication. Ouais, non, mais voilà. Que je vois ce genre de là, c'est ce genre de commentaires là, c'est en gros, ça veut dire la place que aux mecs et puis les nanas dehors. Moi, je le vois, voilà. Moi, je vois ça comme ça. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où l'homme et la femme, pour moi, sont au même niveau, sont égaux. il n'y a pas de... C'est clair. Surtout que dans la vraie, que dans la vie réelle, il y a de plus en plus de nanas qui roulent. Exactement. Il y a de plus en plus de nanas qui roulent et je sais qu'il y a certaines entreprises qui cherchent principalement des nanas. Ouais. Parce qu'elles sont beaucoup plus méticuleuses dans leur travail. Et ça, c'est pas des conneries. Mais donc y en a beaucoup qui roulent, voilà. Alors quand on nous dit sexiste, macho, machin truc. Eh, à d'autres. Franchement, à d'autres. Voilà. On va peut-être vous arrêter parce que vous m'avez largué là. Hein. On arrive, on arrive à Crest, nous. Ouais, nous on arrive. Moi j'arrive là, simplement à Crest. Donc voilà. Sur la droite. Moi, je les candidatures des mecs ne sont pas arrêtées, elles sont juste suspendues. Toi, tu on va essayer de trouver deux ou trois nanas, ça serait déjà bien. Avant de reprendre les candidatures des mecs. De toute façon, il y a encore une chose que je voudrais préciser. On est 16 chauffeurs. C'est moi qui m'en occupe des chauffeurs. Quand on va être 50 dans la carrée, ce sera toujours moi qui vais m'occuper des chauffeurs. Le jour où on sera 50, Laurent, tu seras plus tout seul. Hein. Bah, j'espère bien. J'espère bien avant. Même. Mais après, Ludo, le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui m'aide, il faut que j'ai totale confiance en lui. Et pour accorder ma confiance, c'est pas si facile que ça. On prendra quelqu'un. C'était de Chukabu. Mais bon, j'ai rattrapé, moi. Donc, voilà. Moi aussi, je me méfie un petit peu de tout le monde. Pas expressément des mecs de l'usine. Mais moi, je sais ce que j'ai à faire. Et je serai peut-être pas tout le temps derrière les mecs pour montrer aussi ce qu'ils ont à faire. Ah ! Hey ! Bon, est-ce que tout le monde va pouvoir se garer au même endroit? Ça, c'est pas sûr. Non, t'es obligé de se garer sur deux endroits différents, mon avis, je pense. Oula, 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 oula. C'est le bordel, je vois plus rien, Je vois plus rien! C'est le carnage. Anto qui se gare en marche avant, lui, il va pas se faire chier. Oui, bien sûr. Anto, lui, les manœuvres, ça l'emmerde. Bah non, je fais de marche arrière comme. Ah ouais, ah bah je comprenais pourquoi ça arrête pas de bouger, c'est Fanny qui essaye de se barrer. Mais oh bah, elle a pris la coquille. Et autre chose que je vous ai pas dit, ouais, attends, je vous en parlerai après. Pour l'instant, c'est concert de klaxon et puis de feu de recul là. On verra après les prochains. Bon, Fanny, tu veux que je descende ou quoi? Non, c'est bon, regarde. T'as pas redressé ton camion? Non, non, redresse, non, l'autre côté. Non, avance, Fanny. Attends, me dis pas, laisse-moi me concentrer. Ouais, non, mais c'est bon. Je vais me coucher, moi, ce soir. Je travaille du matin, demain. Et alors? Moi, je suis de repos.
je vais pas faire une nuit blanche rien que pour toi. Hein. Regarde-moi ça. Ça, c'est-il pas beau, tiens. Ah bah non, j'ai mis le temps quand même. Hein. Ça, j'ai rien. Mais j'ai réussi, là. Eh, c'est pas beau, ça. Heureusement que tu me ponds des bonnes statistiques, parce que tu serais pas resté longtemps dans la boîte, toi, je te le dis. L'autre, sympa. Ouais. Et j'achète un bolard la semaine prochaine. Hein. T'as intérêt à me faire passer stagiaire. Ah, c'est. Dis donc, t'es la femme du patron, tu vois ça avec lui directement. Exactement. Il y a pas à merder avec ça. Hein. Bon, monsieur le patron. C'est pas comme tu dis du bureau, c'est bon. Hein. Non, ça marche pas comme ça. C'est dommage, j'ai pas compris. Kiki dit, t'as qu'à passer en dessous le bureau. Ouais. Bon, elle peut passer 20 fois si elle veut. Oh oui. Angèle l'a fait, hein. Et puis elle est toujours au même point. Hein. Elle a toujours ses yeux. Attends, toi, tu t'es garé là-bas, toi, Anto, toi. Eh, hey, Dominique. Ah ouais. Attends, je vais me mettre là-bas. Les gars, en travers, Dominique. Eh, attendez, les gars, pourquoi vous vous mettez tous au même endroit? Il y a de la place plein devant. Bon, bah, je me casse. Hein. Non, mais je sais pas. Qui s'emboîter ou. S'emboîte. Ah, essayez d'occuper je l'espace. Je précise que moi, je ne bouge plus. Non, non, toi, vaut mieux pas, non. Je me regarde. Sympa. Bon, moi, non, mais hey, arrête, Fanny, dis pas que je suis sympa, tu me tends la perche. Là. Écoute. Hein. Elle aime ça, tendre la perche. Ah oui. Non, mais voilà. Restons... Poli. Poli et court, toi. Alors Anto, mon cul il avait quel goût? Moi j'ai pas eu. Je suis à Laurent aussi. Quand tout le monde sera barré, j'ai pas terminé les statistiques en fait. Il reste encore les classements hebdomadaires à faire. Ouais, là. Ouais, ouais. On va terminer donc, là-dessus. Ouais. Mais il y a. J'ai des feux de recul qui m'emmerdent. Attends, je suis en train de garer. C'est la merde à garer les petites bennes. Ouais. Tu vas prendre autre chose. Oh putain. Ouais, j'aurais dû prendre un tractopelle en fait. Ouais, t'aurais dû prendre un tractopelle. Je t'aurais foutu au sapin. Au point où j'en suis, déjà tout à l'heure, deux, là, attends, loin. J'arrive à Eacrest. Il va pour sortir, je le laisse sortir, il me rentre dedans. Je retourne à l'atelier, je recommence, je pars de l'atelier, t'es derrière moi, il me fout en l'air aussi. Ah, je dis putain. Salope rétinculée. Ouais. Ça, c'est non, mais ça, c'est casse-couille, ça, les mecs comme ça. Ouais. Et tout le temps, ils cherchent toujours à taper, en fait. Je sors de Tramery, tu prends vachement large pour sortir de Tramery. C'est qui le Volvo blanc avec les traits rouges? Et l'autre, il. Je sais pas, c'est pas un de chez nous, ça. Mais pourquoi il se gare là? C'est peut-être sa remorque, non? Ah, il décharge. Ici, je crois. Bah oui, ouais, bah, il décharge. Ah, connard. Je vais faire une photo. Culé. Oh, motherfucker. Tu peux bouger, motherfucker. Vas-y, s'il te plaît, fais pas ta pute. Bon alors, Nadine. Je crois qu'il y a Mike qui est tout seul là-bas. Ah ouais, d'accord. Non, il y a Christophe à côté. Ouais. Ok, d'accord. Je suis en train de les prendre en photo, là. Du coup, c'est le mec qui me tend. C'est pas mon cœur. De quoi? C'est qui attend. Il veut pas bouger, hein. Vas-y, et sortez bon. Les clés, on va y foutre sur la gueule. Allez hop. Descends. Il s'appelle de phare. Mais non, il a raison, c'est bien. Non, moi je veux pas. C'est pour la photo. Bon, on va y voir un petit peu par là-bas. On va aller voir les petits man qui se trament là-bas. C'est un autre gars qui arrive là. Alors, voyons voir ces petits camions. Oh putain, t'en as un qui se barre, y'en a un autre qui arrive. Ah ouais, c'est ça, hein. ils vont décharger quoi. Je suis Nono, le petit robot. L'ami d'Ulysse. Ah, une remorque est apparue là. Y'a un trou entre Vicky et Nono. Ouais. Pas grave. Oh, Iveco.
Astralis, oh, ah merde. Il me reste, il me reste 431 heures pour livrer. Ça, oh, ça, mais t'es moche. Ça, c'est du camion caca, ça. Ah, mais t'es moche, mec. Eh, hey, t'as la gueule de ton chauffeur. Pour livrer. Bon, Tonio, toi Attends, je vais loin. Dans ton cul. Je vais vous donner les derniers chiffres de. Bah, les classements. Ouais, alors, je vais aller pour les classements. Classement semaine 8. Tout le monde ferme sa gueule, tout le monde m'écoute. Audi, tu fermes ta gueule. Tu vas où du coup? À Lille. Ah, moi aussi. Chez la Game Pride. Alors, classement ouais, des. Ah, bordel. C'est DJ Ludo là ce soir, de l'écho et tout. Eh ouais, soirée Ludo. Il y a dû avoir un petit bug niveau de la consommation parce qu'on a AirDrive qui est en tête des consommations avec 26 litres 4. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. D'ailleurs, une petite toilette team problème quand même. Ça m'étonne, ça. Il y en a un avec 111 litres aussi. Oui. Oui. Oh putain. Benjamin, ouais, Daznex, il a craché. Bon, alors, première place AirDrive avec 26 litres 4, je doute. J'ai un léger doute. Deuxième place, on a Noé avec 32 litres. Troisième, Ludo, 32 litres 1, ex-aequo avec Dominique. Cinquième, Vicky, 33 litres. 1, 6ème Toff 59 avec 35 litres 1, 7ème Tonio 36,8, 8ème Mike 40 litres, 9ème c'est moi avec 41 litres 8 et 10ème Benjamin 111 litres 4 au 100. Excuse. Il y a dû avoir des. Non, il y a eu des petits bugs. Freedom, freedom. Et puis nous, voilà, nous, derrière, on valide vos feuilles. Si on vous renvoie chaque fois les feuilles pour bien les corriger. C'est un petit peu contraignant aussi pour nous. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Remplissez correctement vos feuilles. Relisez-vous avant de les valider. Voilà, avant de valider. Notez bien les infos qu'il y a à la fin, surtout. Voilà, les bennes, la marque des camions, hein, Dominique. Oui. Note bien, Scania, S-C-A-N-I-A, Dominique. Oui. Parce que putain, j'ai vu des trucs bien cette semaine. Non, relisez-vous avant de valider votre chargement. Regardez bien si tout ce que vous avez marqué est exact. Parce qu'après, nous, faut qu'on renvoie ou faut qu'on corrige. C'est un peu la merde. Alors, classement des plus voyageurs. On a en tête de liste Vicky avec 36 voyages. Après, on a Mike 24 ex-aequo avec Dominique. 4ème Laurent, 16 voyages. 5ème Tonio, idem, 16 voyages. Ludo, 11. Top 59, 9. 8ème Noé, 7 voyages. 9ème AirDrive avec 6 voyages. Et 10ème Benjamin avec 5 voyages. Bon, tout le monde a exécuté son quota de kilomètres. Après, classement des plus routiers. Là, c'est en termes de kilomètres. En tête, on a Vicky avec 30 987 kilomètres. Deuxième place, on a Dominique, il en a fait 18 674. Troisième, Mike avec 17 718 km. Quatrième, Tonio. Quatrième, Tonio, 13 034. Cinquième, Toff, 9 822. Sixième, Ludo, 7 834. Septième, Laurent, 7 357. Huitième, GG avec 6 108. Il a roulé quand même le GG, là. C'est bon ça. Il a fini sa cuisine. Oui, il a rattrapé ses kilomètres, c'est bien. 9ème Anto 4082 km et 10ème Gaëtan 3531. Donc il y a pire que toi dans les manœuvres. Quand tu vois celui-là, ça fait 5000 qui tourne en rond. Tu vois. Oh là là, comment il en chie ça. Au départ, j'étais comme ça. Au départ, maintenant, j'arrive mieux à me garer quand. Bon, sur ce les amis, on va se quitter là sur ce petit Groot en Iveco avec deux tracteurs qui a franchement du mal à se garer, franchement c'est fandard. Lui c'est pas la peine qu'il postule. Hein. Allez, ciao. Hein. on s'appelle pas, on se fait pas de bouffe. Hein. Toi t'es viré. T'es viré d'office, t'es pas rentré mais t'es viré. Ok, tu sors. Toi tu rentres pas dans stagiaire. Tu sors. Ah là, à mon avis, il serait même pas stagiaire du tout. Mais. Donc voilà, bah écoutez, encore merci d'avoir participé pour ce nouveau épisode des Badouche d'éclair internationale. Ouais, les aventures de la TIO. Les aventures de la TIO. Ouais. N'hésitez pas encore une fois à aller découvrir Daznex aussi sur sa chaîne YouTube qui fait encore une fois, je répète, un fret par semaine en étant sous le nom de l'entreprise. Ouais. Donc voilà, ça vous permet aussi de découvrir un petit peu, peut-être encore de voir autre chose.
Donc voilà, moi je pense, je suis sur un projet de vidéo encore concernant l'entreprise. J'en dis pas plus pour le moment. C'est en train de mûrir petit à petit. C'est en train de mûrir petit à petit. Pour l'instant, je ne dis rien. Ce sera probablement peut-être un petit projet qui viendra dans les semaines à venir. Ah, et regardez, oh. Il arrive. Il ouais, arrive. Mais là, il va me refaire la calandre. Casse-toi. Il doit avoir un volant à 120 degrés. C'est pas possible. mais moi, j'ai un volant à 120 degrés. J'arrive. Ah, mais lui, je crois, il est mal réglé son volant. Il doit jouer au clavier, je crois. Ouais, il doit être au clavier, ouais. Oui, comment il en chie. Un mec qui joue au volant, il arrive mieux que. Et même au clavier, hein, je fais déjà. Ouais, mais c'est parce qu'on a l'habitude. Hein. Ah oui, là, je serais déjà parti. Au début, hein, j'ai pas pris longtemps à prendre l'habitude hein, pour garer une remorque. Au début, j'étais au clavier, moi. Trudre. Bon, allez, sur ce, messieurs, je vais arrêter la vidéo là. Merci à tous. À la semaine prochaine. Donc, même condition, défi et exécution. Je vous dis donc à tous à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et on se dit, la semaine prochaine, ce sera pour la balade numéro 25. Ouais. 25. Et ouais, on se rapproche des 30, hein, attention. Hein, je pense qu'on va réfléchir pour faire un truc spécial pour les 30. Hein, je pense que c'est pas rien quand même, 30 vidéos. Ouais. C'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Oui, ça fera une occasion de plus pour faire le con. Voilà, mais par contre, peut-être que je vais voir, je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour m'occuper et rechercher pour des lives. Peut-être que j'essaierai d'en faire en live. Je verrai bien. Enfin bref, bon, sur ce, messieurs, dames, mes chères personnes qui regarderont les vidéos, on vous laisse, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle balade encore plus délire et ça peut-être ça, plus dangereuse. Bah, c'est mieux, allez, ciao, ciao tout le monde. Bonne semaine. Ciao tout le monde. Ciao.